Et bonjour tout le monde à la maison. Hey. Bienvenue à Jazette sur le site, encore une fois cette semaine. Oui. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien, toi, Vince? Yeah, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très excité de ce que j'ai à vous parler, en fait. Là. Cette semaine, mais avant. Ouais, c'est ça, faut s'abonner. Mais toi. Avant, faut s'abonner. Ouais. C'est super important. Puis, comme de fait aussi, n'oubliez pas de venir nous voir sur Discord. On a un Discord avec une centaine de membres déjà. Oui, 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 ouais, déjà une centaine de membres et quelques. Puis, on jase de plein de trucs. Je sais qu'il y a une de nos joueuses qui fait un peu genre des tips and tricks de peinture et de crafting de miniatures, oui. Des trucs comme ça. Oui, ça beaucoup de discussions qui se passent là-dessus. C'est le fun au bout d'en regarder aller. Fait que si vous voulez nous jaser puis vous en apprendre plus sur qu'est-ce qu'on fait, des choses comme ça, venez nous voir sur Discord. On est super content d'avoir des gens. Mais sans plus tarder, aujourd'hui on parle de comment designer et jouer des encounters avec des boss. Boss fighter. Mais c'est quoi une jasette? Les boss. Ouais, salut tout le monde, salut Vince. Salut, salut. Les boss, c'est boss. Vous c'est appelé Céline? Oui, c'est mon boss. C'est mon boss. C'est que ça, c'est tellement juste une insight que nous on trouve drôle. Là. Ouais, ça date de longtemps. C'est une vieille affaire. C'est mais... très québécois. Fait que les... On va dire les rencontres, on va dire de fin d'arc ou des boss fights un peu. À Donjons Dragons, on va faire le tour de ce qui existe dans le livre. Puis j'ai une couple de petits trucs que j'utilise qui sont pas des affaires qui sont dans les règles du jeu, là, qui sont plus, c'est plus comme du game design un peu, où est-ce qu'on va ajouter des affaires à ce qui existe déjà pour rendre des boss fights plus mémorables. La première chose qu'on peut utiliser assez facilement. Pour un boss, c'est les Legendary Creatures, les créatures légendaires, avec des actions légendaires et des résistances légendaires. Mais ça, je pense, tu peux pas mal mettre ça à n'importe quelle créature. Ça se fait, ouais, tout, n'importe quelle créature, tu peux pas mal les modifier, sauf que, tu sais, bas level, ça se transpose un peu moins, là, parce que tu vas, dépendant quel genre d'action légendaire tu vas lui donner, il va avoir, tu sais, plus de dégâts par ronde, parce que les Legendary Actions, on va s'en rappeler, on va faire le tour encore un peu plus tard, mais si on se rappelle, les Legendary Actions, ça se fait à la fin du tour de quelqu'un d'autre. Ah, ben oui, oui. Fait que si tu fais trop bas level, c'est que ton monstre se tendance avec plein d'attaques de plus ou des actions supplémentaires à travers le round. Ce qui peut. Tu sais, je parle de level 3 et moins, mettons. Là. Ouais, mais tu peux faire des actions qui font juste des effets, soit tes grapples, oui, soit tes trips. C'est ça, des déplacements. Juste blind death pendant un round. Genre. Ouais, c'est ça, mais tu sais, souvent les legendary actions, il y en a plusieurs qui peuvent faire. Puis il y en a qui coûtent des. Tu sais, chaque créature légendaire a. On va dire de façon générale, tout ce que je vais dire là peut être modifié selon votre bon vouloir. Là. Puis moi, je vous encouragerais à. Si vous pensez que vous devrez avoir 4 actions, mettez-en 4. Si vous en voulez qu'il y en ait juste 2, mettez-en 2. Mais de façon générale, les Legendary Creatures, ils ont 3 points d'action légendaire. Okay. Qui se régénèrent au début de leur tour d'initiative. Fait que ce qui veut dire, c'est que. Tout le long du round, ils peuvent faire 3, on va dire 3 trucs ou 3 points à dépenser. Puis ils les récupèrent tout de suite. Fait que toi, comme DM, il faut que t'es passes, là. Tu les utilises. Fait que ça donne plein d'affaires de plus à faire pendant le round. Ça fait que ton boss, finalement, il va avoir vraiment l'impression d'être extrêmement plus dangereux parce que il agit quand c'est pas son tour. Mais c'est cool parce que ça permet que t'es pas obligé d'avoir des henchmen ou des choses comme ça avec. Il peut juste être tout seul puis il y a quand même quelque chose ça, de... Ça, c'est ce que j'allais, c'est là où j'allais en venir avec tout ça. C'est que pour les gros méchants, si vous voulez mettre un gars tout seul, là, 1 contre 5, là, comme ton groupe de joueurs, 5 joueurs, mettons... Enfin, lui, ça marche pas, je vous dis tout. Tu sais, il va se faire... Il va kicker dans l'espace. C'est ça, genre, parce que... Puis même à Donjon 5, si vous faites... En général, là, vous insérez, là, tu as un groupe de, mettons, de... On va faire un petit exercice ici, là. Prenez un groupe de niveau 3, OK? 5 personnages niveau 3, mettez-le un CR5. Ils vont le défaire. Ouais, c'est assez. Ben, 5, peut-être pas. Ils vont peut-être avoir bien de la misère. Ils vont peut-être avoir un joueur qui va manger une grosse volée. Mais ils vont s'en sortir parce qu'ils sont 5 avec des actions, bonus actions à varger sur une créature que. Tu sais, dépendant de quelle créature, ils vont avoir 1 ou 2 attaques. Mais un légendaire, c'est à 5. Là, c'est intéressant. Là, c'est plus. C'est, on n'y est plus parce que là, ton monstre va essentiellement agir pendant le tour des autres. Fait que tu sais, fin du tour de l'un, il va faire une fumée. Fin du tour de l'autre, il va attaquer avec son arme. Fait que tu vas faire, tu sais, ça va rajouter des choses qui se passent, ça va rajouter du dynamisme à ton combat. Les créatures légendaires viennent aussi avec des résistances légendaires. Oh. Ils en ont d'ordinaire, encore une fois d'ordinaire, 3 par jour. Ouais, c'est ça, c'est... Par jour. Faut qu'il passe. Ça, pis ça, en fond, ce que ça fait, c'est que c'est ce qui te permet à ce que ton groupe de 5 gars démolisse pas ton boss comme instantanément, parce que, justement, tu sais, la semaine dernière, on parlait de sorts imprévus, puis on parlait, entre autres, de polymorphes.
Tu sais, polymorph, c'est genre, tu castes un spell, je te transforme en hamster, après ça, je fais juste, je vais te lancer vraiment loin. Mais ça, je pense que tu peux utiliser après que tu aies raté ton save, right? En fait, oui, c'est que tu peux, ouais, spécifiquement, c'est là où j'allais en venir, les résistances légendaires, ça permet au monstre de réussir un save qui a manqué. C'est vraiment, fait que en fond, c'est vraiment, affaire, c'est, fait que tu sais, c'est ce que, ça évite les situations qu'on appelle save or suck, où est-ce que, tu sais, c'est comme, mettons, le moine avec Stunning Strike. Si tu stun le boss, il va perdre son prochain tour. Il peut pas prendre d'action puis de réaction. Ça veut dire que c'est legend, ça veut dire que les legendary actions sont sortis, tu sais. Puis tu sais, puis après ça, tout le monde attaque avec avantage. Fait que tu sais, le rogue sneak attack au max. Puis tu sais, toute la patente. Fait que là, tu sais, tout le monde fait juste déboîter le monstre là en deux rounds là complet là. Qui a pas agi là, le monstre se fait démolir. Là, c'est terminé. Fait que legendary resistance, ça, c'est comme des points à laquelle auquel il faut passer à travers, tu sais. Les joueurs, des fois, ils vont avoir la réaction de se dire, genre, non, ça marche pas, mais t'es en train de te rendre, tu sais, t'es en train de te rendre, tu sais, faut que tu passes à travers si tu veux être capable de l'arrêter. Puis des fois, tes joueurs vont te faire des espèces de pièges pour que tu passes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça. Fait que, tu sais, c'est de voir. Puis après ça, c'est quoi, comme DM, c'est faire est-ce que j'ai besoin de réussir ce save-là. Il faut pas que tu passes pour rien, ça, là. Mais les créatures légendaires, c'est bien beau, c'est le fun, c'est cool, mais je suis moins. J'ai eu beaucoup de plaisir avec à quelques reprises dans les Vagabonds, là. Mais. On s'est-tu battu contre une? Oui, Bébé. Crystal Creek. Oui. Ben oui. Pour les gens qui l'ont pas écouté, allez voir ça, c'est quand même cool. Mais il y a eu ça. J'ai dit quelques reprises, mais je pense que c'est la seule finalement. Là. Non, c'est pas vrai. On a eu Sous la Montagne Verte aussi. C'était des Legendary là-dedans. La Gorgone? Non, pas de Gorgone. Non, c'était le bœuf? Non, le Honey. Oui. Ben, tu sais. Ça fait le gars qui va venir. Peut-être, mais. Non, je sais pas. Mais, anyway, bref, Legendary Creature, ça a ces propriétés-là. C'est souvent, ça représente souvent une créature qui est formidable parmi ses pairs. Tu sais, c'est ça, comme toi, tu pourrais mettre un capitaine Hobgoblin, puis tu lui donnes les Legendary Actions, parce que c'est genre, il est reconnu pour whatever, puis tu te fais un lore autour, là. Mais là, moi, ce que j'aime faire en plus de ça, puis là, ça, le livre le l'écrit pas, moi, je max les points de vie. Smart. Ça, très, 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 très smart. C'est que ça fait que tu peux prendre la créature légendaire puis avoir d'autres de ses semblables avec lui, mais qui ont la moyenne des points de vie. Fait que ça veut dire qu'ils sont déjà notamment moins forts, là, puis plus moins durables. Mais en plus, lui, il a des attaques de plus. Fait que ça a l'air d'être un monstre complètement différent, mais c'est la même affaire. Ça lui permet aussi de toffer plus longtemps. C'est surtout ça. Ça, c'est le but important. Surtout quand tu fais. Moi, les boss fights, c'est pas compliqué. Je mets max HP du monstre, là. Parce que si tu veux que ce soit un combat. T'sais, un combat épique qui est difficile puis qui met un peu en perspective à quel point il est tough le monstre là. T'sais, il est fait fort les joueurs. T'sais, les héros sont puissants aussi, mais c'est long de tuer ce monstre-là. Il faut l'épuiser puis passer à travers. Il y a beaucoup de job à faire. Puis ça, je trouve que c'est une bonne façon de le faire dans D&D 5e édition, c'est juste de mettre plus de points de vie. Puis tu fais prendre les dés qui sont écrits dans ton stat block de monstre, puis tu mets le maximum, puis t'es en business. Mais les legendary action, puis résistance et toutes ces choses-là, le défaut que ça a, c'est que ça suit un peu toute la même mécanique. C'est un peu la même danse à chaque fois. Ou est-ce que t'as le. C'est la même chose à peu près? Non. Pas au niveau des actions, mais je parle du rythme de combat. Ça se ressemble pareil. C'est une façon. Pour vrai, c'est la façon vanille la plus facile de faire un beau boss fight. Okay. Je veux pas dire, c'est difficile d'en créer un monstre avec des bonnes actions, des trucs comme ça, mais comme en termes de rouler le fight, je veux pas dire qu'ils se ressemblent toutes, mais c'est qu'il y a, des similarités dans le fonctionnement qui fait que si t'en fais trop, on s'entend. Les joueurs vont comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est là qu'il y a des créatures qui ont des lair actions qui sont très intéressants. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est des créatures qui, quand ils sont dans leur repère, ont des actions spéciales qui vont se dérouler au compte de 20 dans l'initiative. Ouais. Après Orof, c'est correct. C'est ça, après Orof. Puis, essentiellement, c'est des affaires qui sont avec vraiment le repère de la créature. Fait que, c'était comme, mettons, une créature qui a une emprise sur la forêt ou quelque chose comme ça. Vous êtes dans son bout, ben peut-être qu'il y a un arbre qui, justement, il y a des branches noueuses qui vont venir aller essayer de grappler un des personnages. Fait que, c'est comme pas le boss qui attaque, c'est plus comme l'environnement qui appartient au boss. C'est ça, puis là, ça peut être intéressant. Fait que là, tu fais sortir des affaires d'un peu partout. Ça peut être l'air action, ça peut être des stalactites dans une grosse caverne, ça peut être des stalactites qui tombent, puis qui font faire des dégâts sur un nombre d'aventuriers random, des trucs comme ça.
Fait que tu sais, ça c'est des affaires que tu peux mettre dedans. Les dragons, la grosse majorité des dragons, là, les plus vieux, là, les dragons adultes et plus, ils ont tous des lair action avec des legendary puis tout le kit. Fait que c'est un très bon exemple de ce qui peut se passer là-dedans. Un monstre qui était très cool, qui était featured dans Critical Role aussi avec des lair action, c'est un Morcott qui est dans, je me trompe pas, c'est dans Volo's Guide. C'est une espèce de pieuvre qui stache des trésors puis tout là. Ça a l'air cool, je l'ai vu. Très hot. Puis tu sais, il y a dans cette série-là, il y avait un très bel exemple de lair action, tu sais, avec justement dans un combat sous-marin avec l'eau qui monte de température puis qui fait genre du dégât de feu à tout le monde parce qu'ils sont dans l'eau bouillante sous un volcan, des trucs comme ça, tu sais. Ah oui, c'est saison 2. Ah. Fait que tu sais, c'est un exemple, tu sais, les lair action. Mais ça, les lair action, essentiellement, c'est quelque chose qui va arriver arbitrairement au même moment à chaque tour, mais tu peux jamais prendre la même deux fois d'affilée. Fait que t'es obligé d'alterner entre celles que t'as, puis souvent tu vas t'en servir pour un peu, genre, on va dire, changer la donne un peu. Ouais, c'est ça. C'est souvent tu vas restreindre des gens. Tu vas te ramasser, peut-être qu'il va y avoir comme du terrain difficile qui va apparaître, des trucs comme ça. Le but, c'est que ce soit en thématique avec le monstre, puis qu'est-ce qui se passe. Ensuite, au-delà de ça, moi, il y a là, on rentre pas dans le livre. Ouais. La première sauce spéciale que je vais vous suggérer aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été développé par Matt Colville, un excellent DM qui a son channel YouTube, là, MCDM, Matt Colville DM. Puis il y a un concept qui appelle les Villainous Actions. Ce concept-là, la manière que moi je l'utilisais, ça s'utilise comme des lair actions, mais qui sont pas nécessairement reliés au repère du monstre, mais plus un peu comme une chorégraphie. Ça a l'air, tu sais, le bon, c'est quelque chose qui va arriver, c'est un peu une séquence d'événements. Comment je dirais, c'est que, mettons, à la fin du premier round, t'as un chef gobelin, OK? Ben, à la fin du premier round, il va peut-être faire une espèce de cri, genre, de guerre, puis il va inciter tous ses alliés gobelins à attaquer, sinon il va les nourrir à l'ogre, tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, tout le monde fait comme « Oh, shit! » Fait que là, à l'initiative 20, tous les gobelins archers de la place font une attaque contre quelqu'un. Et ça peut être, tu sais, c'est ça. Mais tu vois, tu fais cette face-là, parce que c'est exactement ça. C'est parce beaucoup que... d'attaque. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, sauf que la face, c'est que ça donne vraiment l'impression, c'est comme, OK, ouais, c'est vraiment le chiffre. Fait que c'est pas des choses qui reviennent à chaque fois, c'est juste par rapport à t'es rendu où. Ça progresse. Puis ça, l'idée, c'est que ça drive de plus en plus t'avances. Puis, puis plus t'approches de la fin, ben, plus c'est quelque chose d'intense, tu sais. Puis tu sais, des fois, ça peut être. J'aurais dû amener les notes pour ça, mais il y a comme trois étapes. C'est que le premier, c'est que tu veux un peu changer la dynamique du combat, donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. La deuxième, c'est un peu comme le boss qui va se repositionner, se mettre dans une meilleure position pour combattre le groupe. Puis le troisième, c'est comme l'espèce de killer, là. C'est all-in. Tu sais, c'est comme peut-être qu'ils vont faire. Je prends l'exemple du gobelin encore, là. Deuxième round. Si je dis deuxième round, mais si on va dire c'est deuxième action, ça peut être au 3, ça peut être. T'sais, tu vas te faire une timeline. Ouais. Si tu t'assumes que le fight va durer à peu près là, en moyenne 5-6 rounds, ben, tes actions de vilain peuvent être 1, 3 puis 5. Pis tu sais qu'à peu près, normalement, ça devrait rentrer dans le temps. Si jamais ton groupe pète un peu le boss trop plus vite un peu, ben, accélère tes affaires. C'est modulable quand même. Ça, c'est très anime, je dirais. Ben oui, mais sauf que c'est tellement... Ah, oh, tu as fait ça, alors je vais faire la technique spéciale. Mais sauf que, tu sais, c'est ça. Mais sauf que l'affaire, c'est que ça donne une trame narrative au combat. Ouais. Ça, c'est le bout intéressant de tout ça. Je suis pas full encore... trop à l'aise de comme full m'en servir. J'ai commencé à m'en servir dans des fights puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais tu sais, peut-être que justement ta deuxième action, ton gobelin, il va faire retraiter tout le monde dans genre, tu sais, il va en réaction, tout le monde prend leur mouvement, s'en vont vers un spot. Ça serait drôle. Non, mais tu sais, fait que tout le monde, position 2, là tout le monde fait juste. Ouais, mais c'est ça. Mais non, mais c'est ça, tu sais, tous les gobelins font comme juste ah, on retraite, puis ils s'en vont en ayant peur, tu sais. Les aventuriers, parce que ce qui est fou avec tes aventuriers, c'est que c'est en dehors des façons normales de faire ça. C'est ça. C'est ça qui est fou, hein? C'est ça, parce que tu te rends compte, OK, on est dans une situation particulière, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas dans le livre, fait que tu sais, faut comme DM, tu sais, oui, c'est pas grave, là, c'est le fun pour tout le monde, c'est ça le but. Mais tu sais, tout le monde, bref, je continue avec mon exemple, tout le monde retraite. Puis là, les joueurs font. Ils sont en déroute, on court après. Puis là, ils courent après, puis là,
les petits gobelins reculent en tirant des flèches, nanana. Puis là, quand ils sont rendus dans le corridor, ben, à initiative 20, ben, ils font sauter quelque chose, puis là, tout tombe, tu sais, c'est comme. Puis là, tu te rends compte que peut-être le groupe séparé en deux, là, ils sont enterrés dans des roches, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est. Puis ça, c'est tout dans le même combat avec le chef gobelin, tu sais, c'est. Yes, c'est... Ouais. Tu comprends? C'est méchant, les gobelins. Puis ça, ça arrive toujours au compte d'initiative 20, comme la Lair Action. Okay. C'est le même principe, mais c'est relié sur. Je vois ça vraiment comme une chorégraphie. Puis. Tu sais, ben, en fait, puis ça, je. Ça paraissait peut-être pas tant, mais je m'en suis servi dans la game de Vagabond il y a pas si longtemps que ça. Je suis en train de penser si les gens sont rendus. Probablement, soit ça vient d'arriver, soit ça s'en vient. Fait que les gens vont savoir peut-être de quoi je parle quand ils vont le voir. Ouais, si t'en rappelles pas. Ça avait beaucoup de jambes. Trop fini. Mais... Ouais, oui, c'est vrai. Fait que Villainous Actions, c'est une belle manière, je pense, de faire une twist. Tu veux pas que tous tes boss soient des boss légendaires. Là. Ça peut quand même rajouter... un genre d'espèce de... Ça brise la monotonie des combats de donjons. Puis là, t'as vraiment l'impression qu'on est dans une situation particulière, là, présentement. Là. Oui. C'est pas juste un combat. Là. Il y a vraiment comme... Fait que ça serait une patente à sortir comme des fois, mettons? Oui, c'est ça. C'est comme les Legendary. C'est moi, ouais. je vais alterner un peu entre ces affaires-là. T'sais, je veux pas nécessairement que tous mes boss soient des Legendary Creatures, mais je veux pas aussi que tous mes boss aient des espèces de chorégraphie, sinon ça devient évident qu'il y a des affaires. Mais tu peux les stacker. Tu peux avoir un légendaire qui fait ça aussi. C'est ça. Là, c'est quelque chose d'investi. Puis... C'est là que j'arrivais avec ma dernière façon de procéder pour des boss fights. C'est que là, tu vas te ramasser à devoir interagir avec des éléments un peu externes. C'est-à-dire, ça se peut que ton boss, il soit pas tuable avant que tu aies fait telle chose. Ça se peut que... sa classe d'armure soit stupidement haute, presque impossible à toucher, mais qu'il y a quelque chose à faire pour le rendre... atteignable. Faut au moins que tes joueurs aient une façon de savoir un moment donné. C'est là que c'est là que c'est important. Il faut que tu donnes une quantité incroyable d'indices contextuels. T'sais. Comme par exemple, si t'as un personnage. J'ai utilisé un exemple qui m'est arrivé dans une de mes games. Là. On se battait contre un gros Cerbère entouré de flammes, puis d'or d'ombre, puis tout. Le Cerbère avait une bonus action pour aspirer toute la. Faire fermer toutes les lumières qui existaient. Faire snuff out les lumières, les flammes, tout comme ça. Ouais, ça ferme les lumières. Mais, tu sais, puis il y avait quelque chose comme une classe d'armure d'impossible, puis il y avait comme plus 15 pour toucher, on était niveau 4. Fait que là, on était comme genre, puis là, tout mon groupe criait parce que là, c'était comme genre, mais comment ça se fait, on est pas assez fort. Puis là, moi, j'ai comme, le DM a décrit à plusieurs reprises que quand le Cerbère s'approchait d'une source de lumière, tu sais, il essayait de pas... être directement en contact avec la lumière ou avoir le visage dedans. Fait que là, ça fait « OK, il aime pas la lumière. » Puis en plus, il est ferme. Fait que là, je dis « OK, la lumière est bad. » Ça veut dire qu'il faut qu'on allume des lumières puis il faut qu'on le mette dedans. Parce que comme de fait, ce que mon DM me dit, parce que en tout cas, ça a été compliqué sortir de ce fight-là, on a fini par l'avoir sans utiliser cette mécanique-là. Mais essentiellement, c'est que tant que le monstre est dans la bright light, ben il y a moins d'AC, il frappe moins fort, il y a moins d'attaque. Fait que c'est comme une espèce de... Il y avait plein d'indices dans les descriptions du DM qui donnaient cette impression-là. Puis c'est là où je voulais en venir. C'est ça, tu vas mettre des affaires où est-ce que un monstre va avoir l'air d'être impossible à battre pour le groupe, quelque chose comme ça. Parce que mathématiquement, les joueurs vont comme faire... Ils vont voir des chiffres sortir, puis ils vont faire comme... Il y a 33 pour me toucher. T'es comme, mais non. Mais là, tu dis, il y a minimum plus 13, 14. Là, ça n'a pas de sens. Mais là, tu fais... Puis là, c'est là que comme DM, il faut que tu ailles donner plein d'indices. Il faut vraiment que... Puis comme les joueurs aussi, tu peux prendre ton action pour faire un jet de knowledge. Puis OK, je vais essayer de comprendre c'est quoi qu'il y a, ce monstre spécial. Ça, c'est pas pire parce que ça, tu n'utilises pas souvent ces jets-là en combat. Non, c'est ça. Fait que là, tu vas sacrifier les actions pour en apprendre plus. Puis éventuellement, comprendre qu'il faut qu'on arrache le gem. Tu sais, il y a un gem dans la statue, puis le monstre s'approche jamais de là. Il y a comme une radiance. Puis là, j'arrache le gem, je l'approche, puis seulement le monstre est moins fort. Tu sais, c'est comme je dis, rien d'écrit dans le livre pour ça, mais c'est que là, ça demande un peu d'expertise de la part du maître de jeu parce qu'il faut que tu sois. Faut qu'il soit vraiment plus fort pour qu'il soit pas vraiment faisable, mais pas assez fort pour qu'il ait pas le temps de s'en rendre compte de quoi qu'il faut qu'il fasse, là. Ouais, fait que ça serait plus pour toucher, mais pas de dégâts, mettons. Ah, mais non, ça peut être des dégâts aussi, là. Mais l'affaire, c'est comme je te dis, ça dépend comment ton groupe est monté, non, c'est ça, là. Bon, mais t'es mort. Mais, tu sais, c'est qu'il faut que tu... Tu sais, je peux donner un autre exemple qu'on a eu dans une notre game avec mon fameux Nob qui est mort, là. On s'est battu contre un espèce de géant qui avait des esprits ancestraux qui le protégeaient. Il y avait comme 21-23 de CA, une affaire de même, vraiment tough à toucher pour des aventuriers niveau 4-5. Mais là, on était comme OK. Puis le DM nous avait vraiment décrit, tu sais, il arrêtait pas de faire des descriptions sur comment les fantômes le protègent, bloquent ses attaques, puis tu sais. Puis là, c'est comme nous, on a comme joueur, on aurait pu allumer puis faire comme. Puis bon, on l'a pas fait, on s'est vraiment fait torcher, là, mais.
on aurait pu allumer pour faire comme hey, le fantôme le protège, je me demande s'il y a de quoi faire là. Parce que comme de fait, les fantômes avaient de l'AC, puis si tu tires dedans puis que tu les touches, le fantôme disparaît, le géant perd de la CA. Fait que tu sais, c'était. Puis je pense qu'il perdait des dégâts ou des affaires de même aussi. Il y avait des affaires comme ça qui étaient dans le monstre. C'était. Si on prenait le temps d'examiner un peu, puis c'était la première fois qu'on voyait ça, fait qu'on s'est jamais arrêté à se poser la question. Ouais. Mais une fois que tes joueurs sont rendus habitués, ça devient le fun parce que ton boss, c'est un puzzle en même temps. T'sais, wow! Brrr, fait que tu sais, boss puzzle! Fait que tu sais, fait que tu te rends. Fait que comme. C'est là que ça devient le fun. T'as des mécaniques un peu imprévues. Peut-être que le boss fait apparaître des espèces de pylônes qui font des arcs électriques qui font des dégâts, mais qui lui donnent du pouvoir. Fait que tu pètes les pylônes avant de le tuer lui, sinon t'es pas capable. T'sais. C'est rajouter un espèce d'élément au-delà du boss qui rend le boss extrêmement difficile, mais que si les aventuriers catchent tôt, le combat devient beaucoup plus faisable. Puis tu sais, un point où est-ce que. Peut-être qu'ils vont trouver ça facile un peu. Mais ça va avoir été facile parce qu'ils ont catché vite. C'est là que ce genre d'affaires-là, c'est super intéressant. Ouais, non, c'est cool. Fait que je sais pas, les gens à la maison, comment vous gérez vos boss fights. Est-ce que vous utilisez que les règles qui sont dans le livre? Est-ce que vous faites comme des legendaries? Ce qui est très bien d'ailleurs, je m'en suis servi pendant un bout, c'est très très le fun. Ou est-ce que vous avez des méthodes un peu maison pour rendre vos combats un peu plus épicés, difficiles et plaisants et mémorables pour vos joueurs? Écrivez-nous dans les commentaires, on est très 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 curieux de voir ce que vous avez à dire à chaque semaine. Les Josettes, c'est pas mal mon bout de préféré, c'est voir ce que le monde répond. Puis nous racontent un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, puis on peut voler leur truc après. Fait que, ceci dit, écrivez-nous dans les commentaires, abonnez-vous, puis venez nous voir sur Discord. Ouais. On a bien hâte de jaser tout ça avec vous. Puis d'ici là, on se repogne. Bye bye. Dans les trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Suicide. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Delimbir sont juste là. Yes!